Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Avec Mélanie, nous allons vous présenter l'ADMS. Donc l'ADMS, c'est l'Association pour le développement de la médecine symbolique qui organise le forum, mais pas que, car elle organise aussi des séjours de soins de l'âme. Ça fait à peu près 2 ans et demi mm-hmm. qu'elle organise des séjours de soins de l'âme. Donc des séjours de soins de l'âme qui se passent au centre des déserts. Donc c'est un séjour qui dure plusieurs jours, qui permet aux personnes de venir se ressourcer en pratiquant diverses thérapies. Diverses activités, oui. Alors, il y a bien sûr des soins en médecine symbolique, et puis après, il y a d'autres intervenants, d'autres thérapeutes qui viennent, que nous choisissons, pour faire vivre une expérience unique et intense aux personnes qui viennent en séjour. Donc, ces séjours s'adressent à un public très large, puisque... Oui, ça va du des jeunes aux plus anciens. Et des personnes qui... ont simplement des changements dans leur vie ou besoin d'un moment de calme à des personnes qui ont ce qu'on peut appeler des pathologies assez lourdes. Voilà, donc nous on n'utilise pas d'étiquette, mais voilà, il y a des personnes qui viennent avec ce genre d'étiquette et donc elles viennent en séjour pendant 5 jours. Et pourquoi 5 jours? Parce que ben, en fait on s'est rendu compte que les personnes qui viennent pour ce séjour, eh bien, en fait, ne faire qu'un soin ne suffirait pas. Il faut vraiment qu'elles se retrouvent dans un endroit où la personne soit détachée de son lieu d'habitation, qu'elle sorte, on va dire, de son bocal. Donc voilà, on propose, comme disait Mélanie, il y a différents soins en fait qui touchent aussi bien le corps, l'âme, l'esprit. Donc voilà, on retrouve différentes activités, des activités collectives, des activités corporelles, des activités qui créent du lien. Donc il a été décidé de créer une association à la base pour que ce soit ouvert à tous. Vraiment pour que chacun puisse participer à sa manière, que ce soit les intervenants, les thérapeutes, que ce soit les bénévoles à tous les niveaux. Et puis aussi que chacun puisse participer aussi d'une manière peut-être financière parfois parce que c'est une association qui a pour but d'accueillir un maximum de personnes et parfois des personnes qui financièrement ne peuvent pas s'offrir un séjour. Et donc les dons vont contribuer en fait à ces personnes-là de pouvoir participer à ces séjours en fait. Voilà, d'aider ces personnes-là et puis aussi, dans un deuxième temps, peut-être de permettre d'avoir d'autres lieux d'accueil, d'autres lieux pour d'autres séjours. Si vous souhaitez soutenir notre association et donc ces différents projets, eh bien, vous pouvez vous rendre soit sur le site de l'ADMS, soit sur le site du forum qui aura lieu bientôt. Et voilà, vous trouverez toutes les informations sur ces différentes pages. Oui, et puis on a besoin de votre soutien parce que le forum organisé au travers de l'ADMS, voilà, on a besoin de votre soutien, on a besoin de vos dons pour pouvoir pérenniser cet événement et puis pourquoi pas le diffuser dans d'autres lieux, dans d'autres... Le dupliquer sur le territoire français ou autre. Ben, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt.